Mais vous m'aviez dit qu'il ne bougerait pas sur ce coup-là. C'est ce que nous pensions d'après les renseignements que nous avions à l'époque, Monsieur le Président. Je commence à croire que personne n'a les bons renseignements dans ce gouvernement. Et ils viennent ici? Que me proposez-vous de faire pour les arrêter? Nous avons deux options, monsieur. Nous ramenons deux divisions d'Europe et nous les envoyons reprendre Seattle avant que les Chinois arrivent. Mais alors nous perdons l'Europe et la guerre? Il y a de fortes chances, oui. Et quelle est l'autre option? Nous attendrons que les Chinois débarquent. Quand ils sont là, on utilise une bombe nucléaire stratégique B-83. Les frapper quand ils ont débarqué? Quand ils ont débarqué à Seattle? Oui, monsieur le Président. Donc, vous me conseillez de rayer de la carte une de nos plus grandes villes? C'est notre meilleure chance de détruire les Chinois, monsieur le Président. Sinon, nous risquons de tout perdre. Qu'est-ce que nous avons autour de Seattle pour l'instant? Deux bataillons en piteux état. Ceux qui ont arrêté les Russes à Cascade Falls. Mais ça ne suffit pas pour reprendre la ville. On peut leur donner l'ordre d'essayer, mais je ne miserai pas sur leurs chances de réussite. Donnez l'ordre à ces bataillons d'attaquer, général. Et s'ils échouent? En dernier recours, ordonnez une frappe nucléaire. Monsieur le Président, je suis désolé que nous en soyons réduits à ça. Désolé? Ouais. Ce sera tout, général. Alors que nous étions en train de récupérer et de nous réorganiser, nous avons été informés que la Chine était entrée en guerre aux côtés des Soviétiques. On nous a prévenu qu'une gigantesque flotte d'invasion chinoise s'est dirigée vers Seattle, avec l'intention de profiter de la tête de pont russe. L'USS Missouri avait été coulée au large de la Colombie-Britannique une semaine plus tôt, et il ne restait rien de la flotte du Pacifique pour arrêter les Chinois. Alors nous sommes partis vers l'ouest, en direction de Seattle et des défenses russes. Webb proposa qu'on laisse les hommes se reposer une journée au moins. Mais le colonel resta intraitable, expliquant qu'on devait aller jusqu'au bout. Quand plus tard nous avons appris le plan de secours du président, nous avons compris pourquoi. Sera sur Seattle. Ce sera notre seule option si vous échouez. Mais ça va détruire toute la ville. Compris, mon général. Nous ferons ce qu'il faut. Eagle 6 terminé. C'est une nouvelle guerre que nous faisons, caporal. Je crois que je suis trop vieux pour elle. Mon colonel. Ah, oubliez ça. Ramenez-vous ici. Nous devons réussir la percée aujourd'hui. Le président a ordonné une frappe nucléaire sur Seattle, si les Chinois parviennent à débarquer. Sur Seattle, mon colonel? Après ça, notre échec à Cascade Falls n'aura pas l'air plus grave qu'un pique-nique de scout sous la pluie. Nous n'avons pas échoué à Cascade Falls, mon colonel. Quand je dois sacrifier une compagnie entière et faire exploser une bombe nucléaire sur mon propre pays pour gagner, j'appelle ça une putain de défaite. Je refuse que ça se reproduise. Rassemblez les hommes. Je vous donnerai bientôt vos ordres. Ramenez-nous au PC et pied au plancher. À vos ordres. Webb, je veux que vous lanciez un assaut frontal pendant que Parker les contourne par le sud. Cette ville est un objectif clé pour entrer dans le périmètre de défense soviétique. Et nous allons la prendre. Donnez tout. Mon colonel, je vais perdre beaucoup d'hommes sur un assaut frontal. Si je les contournais par le nord... On n'a pas le temps, Webb. Lancez tout de suite l'attaque. Mon colonel, je vais traverser la deuxième section pour sécuriser le pont. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi pour cette petite coupure. Parker, partez au sud et sécurisez la vieille église. Préparez-vous à une forte résistance. Eagle 6 terminé. Nous attaquons la 17ème mission de ce Wong Fu. Et je m'excuse d'avance aussi pour un peu la longueur de l'intro de la cinématique, mais cela provient de frappe, ce n'est que, comme certains sont au courant, j'ai dû rechanger encore de logiciel pour filmer. Hein. Préalable,
sniper au moins que j'aurais eu. Donc alors pour la petite information, je suis revenu sur Vuicelle Fraps. J'ai action ne marche plus. Ici Web. Je viens de perdre la deuxième section et le pont est pris sous un barrage d'artillerie. Quels sont vos ordres? Prenez l'initiative, nom d'un chien. Passez vers le nord et contournez-les. Ah, bien compris, mon colonel. Web, terminé. Le logiciel action il est à moitié planté, donc je peux plus l'utiliser pour faire des vidéos. Le logiciel Adobe Premiere Pro qui me permettait de compresser les vidéos n'arrive plus à compresser mes vidéos dans des formats que je demande. Donc j'ai dû retourner sur le logiciel Sony Vegas Pro. Donc en gros, j'ai vraiment eu beaucoup de soucis techniques là, ces derniers temps. Je suis vraiment un peu à cran. Hein. Donc je me suis pas du tout entraîné pour émission, hein, je vous dis tout de suite. Faut dire aussi que là... après tout ça, j'ai un peu à tête autre chose à penser qu'à m'entraîner pour émission. Hein. Bon. Maintenant, ça remarche. Donc on va profiter que ça remarche. Bon. Et on reprend. Donc là, on s'est arrêté. Bon. Alors. Stratégie, comme vous pouvez constater, extrêmement courante. Pour ceux qui ont en tout cas le jeu et qui jouent en multijoueur. Préférez avoir plus de chars moyens que d'avoir des chars gourds. Ça vous permet comme ça d'avoir une meilleure cadence de tir et d'avoir une meilleure puissance de feu. Vous tenez pour appeler une fois et demie des chars moyens à la place de chars lourds. Vous pourrez faire plus de dégâts. Bon, bien évidemment, il y a des personnes qui conseillent de prendre que des chars lourds. Personnellement, moi je joue aux chars moyens. Ça me convient comme c'est. Donc je voulais aussi dire que je me rentraîne, étant donné que j'ai changé de logiciel. C'est-à-dire que tous mes réglages sonores et vidéos sont à refaire. Donc j'en m'excuse du dérangement occasionné, hein, bien évidemment d'avance. Mais je pense pas que ça va durer très longtemps. Hein. Je pense que d'ici quelques temps, ça sera très vite corrigé, tous ces problèmes. Et que nous nous retrouverons de nouveau avec des vidéos de... comme avant, avec des nouveaux logiciels. Donc voilà. Maintenant, remettons-nous dans notre mission. Donc, or, nous avons reçu... Nous devons prendre cette ville et avancer vers Seattle ce soir. L'église est à nous. Retranchez-vous. Donc maintenant, nous devons avancer vers Seattle pour éviter sa destruction parce que les Chinois sont entrés en guerre du côté des troupes soviétiques. Et un dur combat nous attend à côté de cette ville, que je ne me rappelle plus le nom, donc je m'en excuse. Bon. La technique, c'est quand vous voyez des infanteries... Les Russes ne nous ont pas envoyé leur bleusaille. Ces unités se battent comme des vétérans. En effet, capitaine, il faut respecter l'ennemi. À la minute où on arrête de le respecter, on perd la guerre. Enfin, Parker! Webb, où en êtes-vous? Nous sommes bien accrochés, mon colonel. Je vous dirai ça plus tard. Webb, répondez, nom d'un chien! Parker, des bombardiers soviétiques arrivent sur votre position! Reculez! Faites mouvement vers la rivière maintenant! Donc, doute! Est-ce que je me rappelle plus du tout en fait comment. Où tombe exactement le bombardier soviétique? On dirait qu'Ivan nous envoie tout ce qu'il a. Ça ne lui servira à rien. Bon. Et bien évidemment, on va prendre un peu de temps pour Parker, nous pour réparer. Avancez vos hommes au sud de la ville et sécurisez-la. Webb continue l'assaut depuis le nord. Donc nous voilà, nous devons continuer l'assaut sur cette ville. Hein. Mais avant tout ça, nous allons remettre tous nos chars en état de marche, bien évidemment. On est quand? Parker, le commandant local a décidé de déguerpir. Il part vers le sud dans un véhicule civil. Éliminez-le si vous en avez l'occasion. Eagle 6 terminé. On y va. Unité de réparation en route, chef. On répare ça tout de suite. Je crois que j'ai balancé au bon endroit, là, bon. Ouais, voilà, le véhicule civil. Ah là.
Bon travail, Parker. C'est de la triche. Sans leur commandant, ils seront désorganisés. Voilà qui jouera en notre faveur. Donc alors, le petit problème qui vient de se passer, c'est étonné que j'ai tout utilisé pour faire sauter cette personne, c'est que le pont est encore en état. Et mes ennemis vont envoyer le renfort par ce côté-là. Ils appellent leurs troupes là, ils arrivent par là. Donc si jamais vous faites sauter le pont avec des missiles à guidage laser, le pont sera neutralisé et l'ennemi devra faire un grand détour par là. Nous avons percé leur première ligne de défense et les Russes se regroupent plus à l'est. Nous les poursuivons, terminé. Au boulot. Seattle est perdu si nous ne passons pas aujourd'hui. Je ne veux pas d'un autre Cascade Falls. Je crois qu'il y a des pièces d'artillerie en haut. Ah là, pièce d'artillerie lourde, ça fait mal. Bon. Voilà, c'est pas trop grave, je peux rappeler déjà un char moyen. Et nous allons détruire déjà une partie de la défense de la ville. Donc voilà, j'essaie de retrouver maintenant un nouveau format bien évidemment pour vous enlever les bandes noires, mais bon ça demandera du temps, donc je m'en excuse hein, pour autant que ça prendra, mais bon. Aller plus vite que je fais déjà, je suis déjà un peu débordé pour vous faire des vidéos, donc voilà. Bon par contre on va changer un truc. Ces 4 là dans le groupe 1, les 4 autres dans le groupe 2. Un petit conseil, bon je l'utilise pas beaucoup mais c'est vraiment un conseil qui est assez utile en multijoueur. Faites des groupes de 4 unités. Que 4 c'est le nombre, c'est un peu le nombre d'or si vous préférez hein. Quelque sorte c'est un peu le nombre d'or de l'efficacité du groupe de combat hein. Bon ouais, on va éviter de perdre. Oh, non c'est bon. Voilà. Et là par contre, vu que l'artillerie ennemie commence à m'énerver... Ivan a demandé un tir de barrage d'artillerie lourde sur votre position. Quittez la zone d'impact à zap. Mince, ça c'est groupe 2, donc ça donne un groupe 3. Et durant, ils vont en fait envoyer un gros barrage d'artillerie, une fois qu'il sera passé ici, ils vont envoyer des renforts. Ouais, vous venez de voir qu'ils viennent de larguer les troupes. Et donc on y retourne tout de suite une fois que barrage d'artillerie entre guillemets passé hein. Parce qu'on y retourne pas qu'il y a encore. Ne vous inquiétez pas. Ivan tente une percée. Repoussez-le et reprenez cette position. Parker, contre-attaquez cette position maintenant, avant qu'Ivan ne mette en place des fortifications. Ah ouais, il est en train de me tailler en pièces. Ça serait tellement pratique si j'aurais des chars lourds quand même. Carrément de l'infanterie anti-char. Unité de réparation.
Voilà, donc préférez garder votre Daisy Cut quand même pour la ville. Hein. C'est... Ça sera peut-être plus pratique parce que là j'ai quand même eu du bol. Hein. Faut pas le nier. Hop. Voilà, voilà. Véhicule de réparation dit affirmatif, chef. Réparation est mise sur les coordonnées. On se déplace selon les instructions. Véhicule de réparation en route. Blindé prêt, on est en route, chef. Pas engagé, on y va. Unité de réparation en route, armé et prêt. Bon, bien évidemment, ça c'est très efficace. Hein. Oui, on a. Je vérifie, j'ai eu un doute en fait sur objectif secondaire. Hein. Donc voilà. Bien évidemment, le fait que la Russie, que la Chine ait rejoint l'URSS, c'est assez logique, étant donné qu'ils ont une alliance, c'est pas clair, ils ont entretenu une alliance entre les deux pays. Certes, la Chine ne faisait pas partie du, entre guillemets, du pacte de Varsovie, hein, mais elle était quand même, elle avait quand même une certaine indépendance, alors que tous les membres du pacte de Varsovie dépendaient, c'était la Russie qui décidait complètement. Dégagez-moi tout ce qu'il y a sur cette route. Il y a un très bon point, c'est qu'on va déjà aligner un char lourd en ayant pris de flanc. Pourquoi il veut pas me... Je sais pas pourquoi il veut pas me fortifier ceux-là. J'espère pas avoir un bug. Si, je crois bien. Ah non, j'ai pas envie d'un bug maintenant. Après tous mes soucis techniques que j'ai déjà eu, j'aimerais bien que ça marche. Sans bug, sans rien, que je puisse jouer correctement. C'est bugué. Je vais devoir recommencer la mission encore une fois. Ah, ça m'énerve. Plutôt, je vais devoir encore recommencer une mission. Après tous mes soucis techniques. Ah, c'est bon. Bon, obstinez-vous hein, quand vous voyez que ça continue pas. Bon, ça c'est un bug assez énervant. Parfois j'ai dû carrément reprendre certaines missions à cause de ce bug là. Curieux cette histoire. C'est curieux ce bug. Apparemment une fois que j'ai enlevé le véhicule de réparation, il a plus voulu réparer. Il a plus voulu capturer. Eh hey, curieux ce bug, curieux, curieux. Prêt à agir, chef. Véhicule de... On se déplace selon les instructions. Blindé est prêt. Complètement bugué. Ok, bon ben voilà. Magnifique le bug, je sais pas quoi faire pour corriger le problème. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, mais je suis maudit là. C'est pas possible, maintenant que j'arrive à pouvoir refilmer maintenant. Ah, enfin. Bon, on bouge plus rien, on touche plus à rien, on va laisser comme c'est. Hein. Non, vraiment, pour vous mettre des vidéos que je vous ai mis, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, donc... J'aime bien que pour une fois que j'ai aucun bug, ça me changerait. Ça fait un deuxième pont de moins. Vous devrez passer par une autre route, Parker. Allez vers l'est, du côté de la Syrie. Là, ce que vous voyez pas, en fait, c'est que si vous avez pas détruit le pont, c'est l'ennemi qui détruit lui-même le pont, là. Une fois que vous êtes sécurisé entièrement à vie. Unité de réparation, véhicule.
réparation en cours. On répare ça tout de suite. Unité de réparation en route, chef. Bon, évidemment, moi, je vais faire. Les Parker, nous avons déjà assez perdu de temps. Allez le plus vite possible sur la Syrie. Blindé, prêt. C'est énorme, le temps qu'il vous donne est énorme dans cette mission. Ouais, Parker risque de tomber sur l'infanterie camouflée dans les bois. Il faut qu'on se méfie des embuscades potentielles, mon colonel. Il n'aura qu'à leur rouler dessus s'il le faut. Vous m'entendez, Parker? Ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Eagle 6 terminé. Ici Webb, je suis tombé sur des blindés lourds russes au nord. Ils vont faire peut-être qu'on veut ça. Nous faisons de notre mieux pour percer leur défense, mais ils ne veulent rien céder, mon colonel. Compris, capitaine. Je vois si je peux vous trouver un soutien aérien. Ouais, j'ai déjà nettoyé en fait l'endroit assez problématique apparemment. Parce que je sais qu'il y a de l'infanterie sur votre gauche, si je me trompe pas. J'ai envoyé un escadron d'hélicoptères pour vous aider. Ils vous fourniront un appui-feu. Terminé. Et on va leur donner un petit coup de main. Voilà. Ici Webb, l'assaut est un fiasco. Si on continue, je vais perdre l'unité, mon colonel. Vous ne m'avez jamais fait défaut, James. Et ce n'est pas le moment. Je sais que vous en êtes capable. Voilà. Vous avez écrasé les défenseurs, Parker. Sécurisez la zone. Webb à Eagle 6. Nous venons de tomber sur un gros contingent. J'essaye d'établir une base de feu, mais ils sont nombreux. Je vous laisse carte blanche, capitaine. Nous devons avancer. Eagle 6 terminé. L'infanterie repliée dans la ville, donc on va déjà faire sauter les bâtiments tout de suite. Bon, il y a des petits soucis. Rapide et meurtrier, Parker. Je vous donne le contrôle direct de la batterie de lance-missiles. Eagle 6, ici Webb. Les Russes envoient des blindés légers vers la Syrie. Vous entendez, Parker? Les Russes ne doivent pas prendre la Syrie. Retranchez-vous et repoussez-les. Et rouillez hors-dessus si c'est de l'infanterie aussi. Ici Eagle 6. Je viens d'avoir le colonel Wilkins. Son bataillon est trop loin au sud. Il ne pourra pas venir nous soutenir. Nous sommes seuls et nous n'avons pas le droit d'échouer. Eagle 6 terminé. Bon, c'est le bunker qui peut être réparé. Alors, avec l'artillerie... On dirait que vous avez battu ce groupe d'attaque, Parker. La Syrie est sécurisée. Ici Webb, le barrage est sécurisé, on le traverse. Il était temps, Parker. On les a encerclés. Traversez leur ligne et entrez dans la ville. Webb va vous soutenir. Regarde, ça risque de faire mal. Là, par contre, à côté de ça, j'ai eu de la chance. Hein. Je vous envoie des unités de soutien aérien en complément. Eagle 6 terminé. Parce qu'il est assez rare en fait que quand je prends la Syrie en même temps, que le barrage soit pris là-dessus, je dois donner un petit coup de main. Affirmatif, cible confirmée. Ça me change au moins. Voilà. On va balancer une Daisy Cut ici. Le but étant rapidement de faire une percée, on va essayer de faire le plus de dégâts le plus vite possible. Et moi j'ai toutes les ordres. J'ai pas eu tous les hélicos. Voilà. Pas de problème. On tire. Tire sur les cordes.
Leur défense s'effondre. N'abandonnez pas. Voilà. En plus, l'artillerie va mettre à mal toute leur infanterie. On attend les instructions. On y va tout de suite, on y va tout de suite. Mets droit sur les coordonnées. Roger, j'ai verrouillé les bandits. Pas de temps de lancer, ça vous fiche. Vite, on va commencer les réparations. Mécano en route. On en a. Ok, on s'en charge. Ici Joker. Les hostiles Mécano de la zone ont été éliminés. On va commencer les réparations. On attend les instructions. Artillerie disponible. Tiens sur les coordonnées. On perd un tir artillerie là aussi. On fonce au combat. On se met à exécuter. On met la gomme, chef. Affirmatif. On y va tout de suite. Ici Eagle 6, nous avons percé leur défense. Et on va mettre du napalm. Avancez et sécurisez la ville pendant qu'ils sont désorganisés. Eagle 6 terminé. Mais faites attention aux fantassins qui peuvent se cacher dans les bâtiments, Parker. Que j'ai mal anticipé en fait le mouvement, c'est pour ça que j'ai fait une erreur. J'ai très très mal anticipé. Et je vais donc gaspiller quelques points, donc c'est pas trop grave. Hein. Allez, soyons fous, voyez. Heureusement que j'ai un soutien. Parce que qu'est-ce que c'est chaud. Ah, vous constatez qu'on a quand même un gros défaut, c'est qu'on a quand même pas de DCA. Autre que celle fournie par les hélicos. Hein. Ah, je trouve que c'est quand même un gros défaut ça. Nous les avons vaincus en France et même chez eux. Il ne manquerait plus qu'on laisse gagner Ivan chez nous. Voilà. Je crois que j'ai dit beaucoup voilà, donc je m'en excuse hein, si je me répète. Vous y êtes presque, Parker. Remplissez les sacs de sable. Ah, ils ont mis les troupes à ma place, ça c'est génial. Voilà. La petite ironie sur cette mission, c'est que vous constatez, là où ils ont voulu nous empêcher de passer, c'est là où ils vont finir en fait. La petite anecdote, bon ironie, plus ou moins. J'ai un moyen, fumez lâcher.
On y va. Coordonnées parfaites. Test infligé. L'artillerie a réduit la cible au silence. Bien compris. Appui seul en approche. Bon, alors. Ici Eagle 6. Le centre-ville a été sécurisé. Il y a des Russes dispersés partout. Occupez-vous-en par cœur. S'ils ne se rendent pas, vous les descendez, compris ? Et ben, ah ben, j'ai fait une double frappe aérienne. Là, je peux faire... une frappe d'artillerie. Ok les gars, on en a fini ici. Notre prochaine étape, c'est le point de ralliement de la division à 150 km à l'ouest. Nous marcherons de nuit et on mangera en route. Eagle 6 terminé. Et c'est ainsi que nous avons réussi cette mission. Mission accomplie. Vous avez percé la défense soviétique et la route de Seattle est maintenant ouverte. D'autres bataillons n'ont pas eu les mêmes résultats en revanche. Le QG a dû retarder l'attaque sur Seattle de plusieurs jours. Nous avons été promis capitaine. Et nous avons l'étoile d'argent. Je m'excuse, bon, cette vidéo n'est pas la meilleure, je pense, celle que j'ai fait. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Que d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et vive le jeu vidéo.